cool pour toi et moi. Je veux être Lady Synchronie. Tu veux m'expliquer? Elles ont participé à ce concours où la gagnante reçoit la visite de Lady Synchronie. Elle se voit déjà en haut du podium. Elles ont perdu. Oh non! Et qui va leur dire? Je vais être franc avec toi, pas moi. On n'est pas obligé de leur dire. Je le savais, je t'avais dit qu'on gagnerait. Oh! Elle a l'air plus grande à la télé. Oh! Elle a l'air tellement chipoteuse. Dis-donc, c'est pas son plat préféré? Si, tout le monde sait bien qu'elle adore la marinade d'anchois. Moi, c'est très étrange. Trop cool pour toi et moi. Je connais cette chanson. Oh, bon d'accord, je l'avoue, je n'avais pas préparé la suite. Faut pas m'en vouloir, je connais vraiment pas toutes ces... Enfin, vos trucs là. Pour être franche, vous n'avez pas gagné le concours. Alors j'ai eu cette idée de fausse Lady Synchronie. On devrait lui faire manger tous les anchois. Ouh, vous sur le bateau. Oh, je vois, j'ai l'impression qu'il a eu la même idée que moi. Tu crois qu'il aime la marinade? C'est peut-être mieux qu'on ait perdu, parce que j'ai l'impression qu'on va bien s'amuser. On a pris nos billets en ligne. On est tellement excités. Et tout ça pour voir le livre le plus génial transformé en... film le plus génial. Mon billet perdu. Le film démarre dans 5 minutes. Allez-y sans moi. Tant pis, je ne mérite pas de le voir. On ne laisse jamais tomber une amie. Vrai. On n'y va pas sans toi. Ben, disons que... Oh, hé, arrêtez ce ticket. Allons-y, vite. Mais où ça? Attendez-moi, j'ai des talents. Dépêche-toi, vite. On grimpe l'escalator qui descend ou on descend celui qui monte. Les deux. Je n'ai pas vraiment la tenue qu'il faut. Film dans 4 minutes, mais ça suffira bien. Envoyez la lumière, caméra et moteur. Venez, on a un film à voir. Un des pires films de ma vie. Tout à fait d'accord. Ah oui, à ce point? Pire. Pourquoi personne ne m'a réveillée? Quand la suite sortira, faites-moi penser à perdre mon ticket. Ça vaudra mieux. Je vous ai bien eu. Pas moi. On t'avait vu venir. J'ai pas eu peur. On connaît tes blagues par cœur, Polly. Tu peux plus nous avoir. J'ai renversé mon popcorn à cause de toi. Vous êtes sûre de ne pas avoir eu peur? Plus de courant. Allez, détends-toi. Désolée, mais j'ai pas eu peur du noir non plus. Moi, je serais pas contre une petite lampe torche. Je vais te chercher ça. Trop nul. Moi, je m'en vais. Moi, je te suis. Allez, quoi? Je croyais que vous connaissiez toutes mes blagues. Je récupère quand même la lampe. Et le popcorn. C'était drôle, non? Non? Désolée. Je ne le ferai plus, promis. Bon, il n'y a rien qui me fait peur à moi. Hein? D'accord, ça me fait un peu peur. Rick, les filles, quelqu'un. D'accord, je dois l'admettre, je ne connais pas encore toutes vos blagues. Bien joué. Vous dormez ou quoi? Vous ne savez pas où on est? Franchement, tu me croirais si je te disais que c'était le dernier de mes soucis. Nous sommes au beau milieu du rectangle des Bermudes. Tu veux sans doute parler du triangle. Non, non, le rectangle des Bermudes est bien plus effrayant. Effrayant comment? Pourquoi effrayant? Oh, regardez, vous avez vu une bouteille à la mer? Wow. Quelqu'un essaye sans doute de nous prévenir. Oh, nous n'avons plus beaucoup de temps. Les pirates du rectangle des Bermudes ne vont pas tarder à attaquer. Je prépare les bombes à eau. Maintenant, au moins, je sais comment mes amis se comportent en cas d'alerte. Mais ce qu'ils ignorent encore, c'est que... Il y a trop de points d'un seul côté. Rick, Shani, Kirsty, tous, venez à Primeur et préparez-vous à l'action. Ah!
attaquer? Oh, mais bien sûr, sonne l'alerte! Alerte! Pagaille ne durera pas longtemps, pas assez longtemps à mon goût. Heureusement, j'ai prévu la suite. Et on n'a pas fini de s'amuser. La dernière arrivée est une grosse patate. Une seconde, c'est pas vrai, ma perle, je l'ai perdue. C'est toi qui me l'as volée. Oh, sale petite voleuse, rends-moi cette perle. Lila tire un peu trop vite ses conclusions. Elle démarre au quart de tour. Tu sais que c'est une huître, n'est-ce pas? Et les huîtres fabriquent des perles. Je t'en prie, je sais d'où elles viennent les huîtres, du supermarché. Alors rends-moi ma perle, toi. Allons sortez et laissons-la se débrouiller. Je l'ai. Polly, c'est bon, j'ai récupéré ma perle. Salut les copines. Ah, mais ça pique. Tu n'es qu'une affreuse carapace miteuse gonflée à l'eau de mer. Je ne vous la rendrai jamais. Aïe. Vous avez abandonné déjà? Je suis la plus forte. Celle-ci, c'est la plus belle de toutes. Oh, ça arrive, non? Bon, hey, vous avez vu toutes les perles que j'ai? Toutes à moi. Tu as de la chance, j'imagine. Mais Lila, la voleuse maintenant, c'est toi. Je suis désolée. Tu fais bien, je t'assure. Il ne t'en reste plus que 10 000 à redistribuer. Désolée, je m'excuse. Tu peux nous expliquer pourquoi tu nous as tous réunis? C'est bien simple, je veux des photos pour les mettre dans mon album Meilleur Ami. On nous y verra toutes super souriantes et super copines, alors n'oubliez pas de sourire. Si je vous ai donné un plan de la cabine, c'est pas pour rien les filles. Alors on reprend, ici Shani, Kirsty, Léa, Lila, moi, et pour finir Polly. Oh, c'est bon, laisse-nous passer maintenant. Hé, qui a appuyé sur le bouton? Oh, franchement pas drôle. Une minute, je vais réparer ça. Oh, tu répares super vite. Sauf que ton œil, c'est absolument pas ce que je veux. J'y retourne. Sois zen, cool. On reste calme. C'est bon, préparez-vous. Cheese. Mais je croyais que tu l'avais réparé. Ce sera pour la prochaine fois. Je veux pas les voir dans mon album. Chrissy, tes cheveux sont un peu... Franchement, tu pouvais pas espérer mieux, Chrissy. C'est tellement nous. En plus, on rigole bien. Montre-les-moi encore une fois. Rien de tel que de bonnes photos entre copines pour redevenir copines. Avant chacun de mes anniversaires, mes amis cachent mes cadeaux. Mais je les trouve en un clin d'œil. Je l'admets, je ne suis pas patiente. Mais ils s'améliorent pour les cacher. J'adore cette chasse au cadeau. Rick, Polly va certainement fuiner par ici. J'ai donc caché son cadeau dans mon endroit favori. Lila, son endroit favori. Oh, la galerie marchande. La galerie marchande? Tu exagères, Lila. Trop facile. Alors j'ai caché le cadeau au sommet du mont Overlook où il sera à l'abri de la beaucoup trop curieuse Polly. Shani. Ils ne savent pas à qui elles ont affaire, non mais... Ah, trop facile. Enfin, pour moi en tout cas. Encore un changement? Le cadeau de Polly se trouve chez Polly. Malin! Surprise! Joyeux anniversaire! Tu as aimé ton cadeau? Mon quoi? Quel cadeau? C'est un cadeau que tu ne pouvais pas trouver! L'aventure! On y a passé beaucoup de temps, tu sais. Ah! Vous voulez dire que cette chasse au cadeau, pleine de rebondissements, c'était ça mon cadeau? Mais oui! T'as aimé? Et c'était mon idée! Mais pas du tout! C'était notre idée à tous! J'espère que ça t'a plu! En fait, ils savent parfaitement à qui ils ont affaire et c'est de loin le plus beau cadeau que j'ai jamais... Ah, photo parfaite! Lila, dépêche-toi, on est en retard! Dans 30 minutes à peine, la lumière du soleil frappera la cascade et je vais manquer la photo parfaite! On ne peut pas randonner habillé comme ça! C'est pas la peine de prendre une photo si on ressemble à rien. Et ça sert à rien de bien s'habiller si on ne peut pas prendre de photos. Léa veut une bonne lumière, Lila veut de bonnes chaussures, et moi je veux la grande aventure. Oh, raccourci, c'est bien ça. Raccourci au beau milieu des ronces qui piquent et déchirent mes vêtements. Oh, tu peux être fière de toi. Je le suis. Ça marche aussi par en dessous. Mais où tu vas?
pas. La première en haut a gagné. Ces chaussures ne sont pas faites pour ça. Ni pour ça. Est-ce que t'as d'autres idées comme celle-là? Le meilleur est à venir. Tu es pleine de surprises. Juste attends. Non, ça va pas du tout. Vous avez vu ma tenue? Attention, le déclencheur automatique. J'ai une idée. Maintenant, tu es parfaite. Parfaitement dégoûtante. La photo est parfaite. Quoi? C'est tout ce que tu peux faire? C'est d'un ennui. Tu crois que c'est une bombe, ça? Tu veux voir une vraie bombe? Regarde. Attention. Chaud devant. La plus belle bombe du monde. Et ça, ma petite oursambule, ça doit te servir de leçon. Mais... Oursambule? 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 Où est-il passé? Mais d'habitude, les bulles, ça ne grimpe à l'eau. Oh non! Tu l'as désintégré. Comment on va le dire à ses parents? Mais au fait, ça n'a pas de parents, Mignons. Mais j'ai une idée. On n'a qu'à regrouper toutes ces bulles. Tu crois que c'est possible? Bien sûr, je l'ai fait très souvent. Bon, d'accord, c'est la première fois. Mais essayons toujours. Ça y est, toutes réunies. Oursambule, est-ce que tu m'entends? On dirait que quelque chose cloche. C'est Frankenbulle. Oursambule, je dois le reconnaître. Oursambule nous a fait la plus belle bombe que j'ai jamais vue. Et si on recommençait? Bon, presque prêt. Tant mieux, elle n'aurait pas tenu plus longtemps. J'ai faim. Si je ne peux pas goûter à ta nouvelle super délicieuse glace à la pistache enrobée de biscuits croustillants dans les 10 secondes, je crois que je vais devenir... Il me reste encore un ou deux branchements, je prends le tuyau de... Lorsque j'ai inventé ce nouveau parfum, je n'ai pas imaginé qu'il deviendrait si populaire avant même qu'il ne soit créé. C'est vrai. Il faut être sûr qu'il y en aura pour tout le monde. Polly! Cette molette. Dommage. Ou celle-ci. Où sont les filles? Tout semble dessert, Polly. C'est une mer de glace. Ah, non, une montagne. On se retrouve en bas. Wouhou! À fond sur la pistache. Oh, j'y arriverai pas. Pourquoi je me suis portée volontaire pour préparer les desserts de l'après-concert de Lady Synchronie? Elle peut être tellement tranchante parfois, elle serait capable de me couper en deux. On peut t'aider? On est de vraies expertes en Lady Synchronie, tu sais. Chrissy m'a fait regarder toutes ses vidéos. Et j'ai lu tous ses articles. Kirstie, nous savons très exactement ce qui lui ferait plaisir. Une tarte tignole. Un banana melba. Un tiramisu. Un baba au chocolat. Mais non, enfin c'est Lady Synchronie. Elle adore le baba au chocolat. C'est le banana melba. Ou rien. C'est mon dessert qu'elle préfère. C'est l'heure. Ils ont tous l'air si bons. Je suis vraiment désolée. Mais c'est Lady Synchronie qui devra choisir. Alors ce sera le mien. C'est ça, oui, compte toujours. Tout ça sans la tarte renversée. Non! Qu'est-ce que Lady Synchronie va penser? Je pense que tu as réussi à t'imprégner de mon style inimitable pour faire ton gâteau. Brillant. Au moins, nous savons maintenant ce qu'aime notre star préférée. Enfin, presque. Polly,